Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir ensemble comment étendre la garantie de son ordinateur de marque HP. Alors tout d'abord on se rend sur le site besttoserve.com/fr-fr. Bien sûr l'adresse sera donnée dans la description de la vidéo. Alors une fois que vous êtes sur ce site, vous allez aller un peu plus bas puis vous allez choisir ici sur HP Care Pack. Pardon. Donc prolonger ma garantie, vous cliquez sur le bouton prolonger ma garantie. Ensuite, vous vous rendez un peu plus bas, puis vous allez cliquer sur Acheter Care Pack. Alors évidemment, c'est un service qui est payant, forcément, sans doute. Et on rappelle donc que la garantie est fixée à 2 ans, en fait, pour les ordinateurs dans l'Union Européenne. Alors, l'idée, donc, c'est d'étendre à 3 ans. Et notez qu'on peut même étendre sa garantie, même après avoir dépassé la garantie. Alors, il faut évidemment être dans la 3e année. Hein. Alors, on va mettre tout d'abord le numéro de série que vous allez trouver à l'arrière de l'ordinateur sur une petite étiquette. C'est marqué SN ou Serial Number, par exemple. Et là, on va le coller là-dedans pour notre exemple. On va cliquer sur Rechercher. Le numéro de série a été identifié. Et donc là, on va voir si on nous propose la fameuse extension de garantie. Et oui, on me propose l'extension de garantie. Alors ici, c'est très intéressant pour 2 choses. La première, c'est que là, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'indique que ce PC-là avait 1 an de garantie. Alors, ce n'est pas un PC qui m'appartient, donc je ne sais pas quand il a été acheté réellement. Mais normalement, comme je vous le confirme, en fait, la garantie dans l'Union Européenne est de 2 ans. Donc, je pense qu'il y a une petite erreur au niveau du site. Alors, l'autre chose intéressante, c'est que le pack d'extension de garantie est vendu donc 89 € TTC. Et enfin, il y a encore aussi une autre information intéressante, c'est que, vous voyez ici, ici, la garantie a été expirée le 23/02/2020. Or, vous n'êtes pas censé le savoir, mais aujourd'hui, on est précisément le 25/10/2020. Hein. Donc, en gros, là, on me propose de payer 89 € pour une date qui arrive à expiration aujourd'hui, en fait, quasiment. Donc là, dans mon cas, ça va pas être vraiment intéressant. Il faudrait quand même avoir au moins un battement minimum d'une semaine pour pouvoir déclarer la panne et renvoyer le produit. Quoi, parce que là, dans notre exemple concret, on va partir sur une dépense de 89 €, enfin même plutôt 90 €, on va dire, pour pas grand-chose. Voilà, donc méfiez-vous, hein, bien sûr, mais là, en l'occurrence, si j'avais shooté une semaine avant, là, j'aurais pu faire jouer ma garantie et sauver mon ordinateur portable HP in extremis grâce à cette extension. Voilà, fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura surtout été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve sur cette chaîne de tuto ou bien sur mes 2 chaînes annexes, à savoir Retropolo et Supermatos, que vous trouverez également en description. Salut à tous.